Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de deux livres que j'ai achetés grâce à Offlan. Donc Offlan, si tu passes par là, je te remercie. Même si, en fait, du coup, j'ai dépensé de l'argent à cause de toi, mais franchement, je ne le regrette absolument pas. Je n'avais jamais vu passer ce bouquin nulle part et je l'ai vraiment découvert avec Offlan. Et c'est juste magnifique. Regardez déjà la couverture, comme c'est beau. Et l'intérieur, il est juste pareil. Donc, c'est carnet d'un voyageur immobile dans un petit jardin. Et il a été écrit par Fred Bernard aux éditions Albin Michel. Alors, Fred Bernard, c'est un auteur de BD. Il est écrivain illustrateur. Il a fait d'autres livres. Il a fait beaucoup de livres pour enfants. Et du coup, je me suis un peu intéressée à lui parce que, voilà, j'ai pas encore tout lu. Mais ce que j'ai lu de ce livre m'a tellement fait un effet que je me suis renseignée. J'en ai trouvé un ou deux qu'il avait écrit. Je ne sais pas s'ils sont encore disponibles, ceux-là. Je les ai commandés d'occasion et je vous dirai, je reviendrai vers vous aussi pour vous faire un retour sur les autres que j'ai achetés. Ça a l'air d'être assez différent, mais voilà, j'aime bien la façon dont il est écrit. C'est plein d'humour. Et alors, les aquarelles qu'il fait, c'est juste... moi, j'ai juste fait « waouh ». Donc ici, c'est... On va lire la dernière de couverture parce que c'est intéressant, ça donne vraiment le thème. Observons au fil des saisons ce petit jardin clos de Bourgogne, cet écosystème miniature où interagissent arbres, plantes, fleurs, insectes, oiseaux, batraciens. De ses voyages, l'auteur a ramené des graines qu'il mêle aux plantations vieilles de près d'un siècle et soigne patiemment. Le voyageur, ici l'immobile, scrute des signes sur le vif et en entomologiste, botaniste, zoologue ou jardinier, commente avec précision et humour toutes ces beautés simples et fragiles. Un journal aquarellé, personnel et sensible, véritable hommage au jardin. Donc pour planter le décor, en fait, Fred Bernard a acheté une maison avec un très vieux jardin. Et il a commencé à le remettre en état, à le défricher, parce que quand il l'a acheté, c'était plutôt genre foire à vierge. Et il n'a pas habité la maison tout de suite. Il a fait les travaux directement dans le jardin. Et puis, donc, il n'y allait que de loin en loin. Et puis, à un moment de sa vie, il a pu s'y installer avec sa famille. Et là, il a décidé de tenir un journal. Donc, tous les mois, il nous montre l'évolution du jardin. Déjà, c'est des très trop gros bouquins, regardez, avec une couverture évidemment en dur, hein, c'est un vrai bouquin. Vous avez même le petit ruban pour faire signer. La couverture, elle est mate, c'est un carton un peu, justement, sur lequel on se dirait bien qu'on peut faire des aquarelles. Donc, moi, j'aime beaucoup ce type de papier. Et à l'intérieur, les pages sont du même type. Évidemment, elles sont plus fines. Hein. C'est du papier, ce n'est plus du carton. Mais c'est type un peu papier à dessin, vous voyez. Et donc, sur lesquels on peut s'imaginer faire directement l'aquarelle, même si, évidemment, ici, ce sont des reproductions. Donc, voilà. Ici, il explique justement l'histoire du jardin. Et puis, on démarre directement. Alors là, il explique que ici, par exemple, il passe du 11 février au mois d'avril. Parce que, donc au lundi 2 avril, parce qu'il n'avait pas idée au départ que ça allait être un
livre, en fait. Donc voilà, sur toutes les pages, vous avez comme ça des dessins de fleurs, des animaux, des arbres qui peuplent son jardin. Et alors, vous avez, je vais essayer d'en trouver. Ici, par exemple, vous avez, il nous parle des primes verts. Et vous voyez, donc il dit qu'il a 4 coloris différents dans son jardin. Et il nous donne eh bien, les noms en italien, en anglais, en espagnol et en allemand. Et puis là encore, ben, en français. Donc, c'est intéressant, c'est très bien fait. Là, il est sur les mésanges. Donc, c'est magnifique, hein. Franchement, c'est magnifique. Ensuite, je vais essayer de trouver quelque chose. Donc voilà, par exemple, il parle des fougères. Alors, je vous lis les textes. Pendant ce temps, lentement. Donc, il y a une partie de la fougère qui dit « On va être belle cette année ». L'autre qui répond « J'espère bien ». Puis, une autre qui dit « Ça déroule, Raoul ». Et l'autre qui répond « Super fin, Jocelyn. » Donc, et comme thème de l'illustration, c'est les crosses des fougères se déroulent sûrement. Donc, j'aime beaucoup. Il a beaucoup de références parce que là aussi, on a lentement, mais sûrement. Ouais, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de références. Et c'est vraiment très, très chouette. Ici, il nous parle, par exemple, de la signification du mois d'avril. Donc, pourquoi ça s'appelle avril. Ici, il cite Colette. Donc, vous voyez, il y a de tout dans ce livre. Ici, il cite Shakespeare, même. Il nous propose de retrouver son chat, ici. Et vous voyez, on a une grande illustration. Je vais peut-être le mettre plus bas. Parce qu'en fait, j'ai pris les deux. J'en ai acheté deux ensemble. Et je voulais vous les présenter tous les deux. On ne sait où le mettre. Celui-là, je vais le mettre là. Soit pas trop loin pour le récupérer après, mais sinon j'arrivais pas à vous montrer. Voilà, là on a son jardin sur une double page, enfin une partie de son jardin, hein. Pas du tout tout. Voilà, et on a ça sur des tas de choses qui se passent dans son jardin. Ici il parle du muguet et là il parle du sceau de Salomon. Et par exemple, il explique, faudra qu'on m'explique. Donc, en rapport au nom, sceau de Salomon. Et donc, on a ici le sceau de Salomon. Et il explique, eh bien, vu de dessous, je ressemble à ça. Et donc, l'autre, il dit, ah, ok. Donc, c'est vraiment bien fait parce que vous apprenez des choses, mais sur le ton de l'humour. Et alors, avec un régal pour les yeux. Mais, mon Dieu, que c'est beau, que les couleurs sont jolies. Et puis franchement, il est doué, quoi. On voit bien que c'est un illustrateur et un auteur de BD. Bah voilà, il est vraiment, 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 vraiment doué. Et donc là, par exemple, vous voyez, on a en colis commune, ou cornette, ou colombine. Et puis en dessous, c'est au Moyen-Âge, était considéré comme une plante magique, aphrodisiaque pour les femmes. Et puis, il y a la petite réflexion, et plus maintenant. Donc voilà. C'est vraiment bien fait. Regardez-moi les illustrations qu'il y a dans ce livre. Enfin, moi, je suis ravie qu'Offlan l'ait montré dans sa chaîne, sur sa chaîne, pardon. Parce que réellement, j'ai sauté dessus vraiment pour l'acheter. Ah, tellement ça m'a plu. Et je ne le regrette pas. Voilà, j'ai déjà lu jusqu'ici. Donc, hein, il donne même... Là, il a tout le plan de son jardin, voyez. Là. Et moi, j'en suis arrivée ici, donc à la page 63. Je l'ai évidemment feuilleté en entier, mais je n'ai pas encore eu le temps de tout lire. Parce que là, ça fait 2 jours que je l'ai reçu, hein, le bouquin. Et qu'en plus, j'ai eu un week-end très chargé. Donc... Je n'ai pas eu le temps de faire de la lecture.
Mais franchement, je suis mais enchantée. Regardez ça un petit peu comme c'est joli. Donc là, il nous donne un paysage de vigne. Donc, entre Savigny-les-Beaunes, Pernan, Vergelès ou Pernod, et puis Beaune. Voilà. Donc, vraiment dans la région. Donc, à 5 km de Beaune, en fait. Donc, mais c'est tellement beau. C'est... On s'y croirait. Alors, j'aime aussi beaucoup les livres où il y a des photos parce que ça fait aussi voyager. Mais là, ça fait tellement aussi tellement authentique. Enfin, je suis vraiment admirative de son talent. Donc ici, on a des corneilles. Je suppose que c'est aussi pour ça que O'Flan est fan de ce livre. Regardez-moi, ça c'est... C'est tellement, mais tellement beau. Là, on a toute une page sur les champignons. Alors ici, oui, on a sur les hospices de Beaune. Regardez, il a dessiné les hospices de Beaune. Mais c'est magnifique, quoi. C'est vraiment, 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 vraiment. Par exemple, là, c'est quoi ce gilet jaune? Vous voyez, il y a de l'humour en plus. Donc, ça date du 10 décembre 2018, hein. Donc, enfin, c'est magnifique. Donc, celui-ci, il est sorti en 2020. Donc, lui, il a fait sa chronique entre 2018 et 2019, puisque ici, nous voilà revenus au mois de février. Mais là, on est évidemment en 2019. Et puis, il a été publié en 2020. Le livre. Voilà, devant la porte de la cuisine. En plus, vous participez un petit peu à sa vie. Vous voyez, c'est intéressant. C'est comme les romans qui racontent... c'est comme une chronique aussi un petit peu de sa vie de famille, quoi. Mais par rapport au jardin, c'est magnifique. Vraiment, moi, je suis ravie. Si vous avez envie d'un bouquin qui change totalement... de ce qu'on peut trouver habituellement, eh bien, je vous le conseille. C'est un peu aussi dans la veine des bouquins de Caroline, de Caro from Woodland, hein, ce qu'elle a fait jusqu'à présent, l'automne, le printemps et l'hiver cosy. Mais bon, c'est un peu, ici, ils sont plus gros. Et puis, c'est quand même un peu différent. Ici, il ne donne pas des recettes. Voilà, c'est vraiment la chronique de son jardin. Mais c'est magnifique. Et alors, le deuxième, je l'ai juste un tout petit peu feuilleté. Donc, je ne l'ai pas du tout lu. C'est le nouveau carnet de Fred Bernard, des beautés simples pour ouvrir les yeux et s'émerveiller. Donc, comment s'appelle-t-il celui-ci? C'est Carnet d'un jardinier amoureux du vivant, c'est toujours chez Albin Michel. Donc vous pouvez les trouver facilement, vous les achetez tous les deux ensemble, c'était mon cas. Donc là, il date de 2022, il a continué en fait ses chroniques, quoi, si vous voulez. Et donc ici, bah oui, on se retrouve évidemment en plein confinement. Donc ici, ne pas confondre confinement et nidification. Voilà. Donc au jardin, confiné. Vous voyez, bon, ça, je ne savais même pas qui parlait. Enfin, ça me paraît logique qu'il parle du confinement, mais je vous dis, celui-ci, je ne l'ai pas du tout lu. Je l'ai juste feuilleté. J'avais vu, évidemment, en ligne, que c'était le même genre de livre, parce que j'avais quand même regardé les photos de l'intérieur. Hein. Et bon, je l'ai acheté dans la foulée, parce que... Je sentais que j'allais adorer. Je me suis dit, est-ce que je prends d'abord le premier? Et si le premier me plaît, je rachèterai le deuxième. Et puis finalement, j'étais sûre que ça allait me plaire. Et effectivement, ça m'a évité de faire deux achats. Voilà, je fais les deux en même temps. Et puis comme ça, je les ai. Et je trouve que c'est le genre de livre qu'on peut sortir comme ça...
quand on a juste envie de lire 10 minutes, un quart d'heure, moi je vais les lire entièrement. Et puis je vais me les laisser à portée de main. Et de temps en temps, je crois que je les ouvrirai comme ça au hasard, vous voyez. Et pour me relire une ou deux petites pages. Et peut-être je vais voir si éventuellement je les fais aussi figurer dans le vlog du mois. Puisque on a quand même les dates. Ils donnent quand même les moments hein, du jardin. Et donc pourquoi pas l'utiliser aussi dans le cadre de mes vlogs du mois pour relier à certains jeux que je pourrais avoir chez moi. Je me dis que ça pourrait être drôlement sympa aussi. En plus de ça, alors qu'au départ, je ne pensais pas, je n'avais vraiment pas pensé l'utiliser comme ça pour les vlogs. Mais en fait, après l'avoir vraiment parcouru de près, je me suis dit, pourquoi pas? Regardez-moi cette chouette, la chouette d'Athéna. Je ne vous montre pas vraiment toutes les pages parce que ça va faire un peu long, je pense. Regardez comme c'est beau, ça. Le ciel, certains matins d'hiver, sublime et sombre, sur la route du collège avec Melville, 7h42. Ah oui, quasiment, moi je me suis déjà arrêtée le matin quand je faisais les livraisons pour la boulangerie pour photographier le ciel, tellement il était beau comme ça, les matins comme ça, d'hiver. Ici, ben Beaune, hein, puisque en fait il est près de Beaune. Voilà, on arrive à janvier 2021, vous voyez, paradis des oiseaux de proie, c'est la vallée du Bouillot ou du Bouillon. Ça m'énerve, j'arrive pas à savoir si c'est un N ou un U, vu que c'est écriture évidemment à la main. Non, c'est un U je crois, donc ça doit être la vallée du Bouillot. Mais s'il y en a qui sont de la région, vous me direz si c'est Bouillon ou Bouillot. En tout cas, c'est magnifique. Voilà, on a le même petit ruban pour faire signer. Hein. Donc là, quand je l'ai eu, il était mis à peu près au milieu. C'est pas ma lecture, je vous dis, je ne l'ai pas lu, lui. Pas encore. Mais bien sûr, je compte me régaler tout l'été avec ça. C'est certain. Bon, là, je crois qu'il a presque fait une petite histoire en mode BD. Et je vous dis, ben je pense que les autres, s'ils me plaisent, je vous les montrerai aussi. Parce que je trouve que ça vaut la peine, ça vaut le coup, parce qu'il n'y a pas de peine. Ça vaut le plaisir, la joie de vous les montrer et de vous faire découvrir quelqu'un qui a un talent exceptionnel, je trouve. Vraiment. Mais vraiment, quoi. Il y a vraiment des choses qui sont pas très connues, qui, je ne sais pas si ça a eu beaucoup de succès, mais moi, j'ai jamais entendu parler de ça. J'ai jamais entendu quelqu'un qui m'en parlait. Pas un livre dont on a fait la publicité partout et pourtant il le mériterait vraiment, c'est tellement tellement beau. Mais vraiment, mais tellement 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 beau. Voilà. Et donc, à la fin, il y a un index. Comme ça, si vous avez vu quelque chose, moi, ça me sera très utile. Parce que si je me rappelle, après avoir lu qui parlait d'un animal ou d'une plante ou d'une fleur ou d'un arbre, et que j'arrive pas à le retrouver, et que je me dis, ah oui, je vais en parler dans le vlog du mois, ça va m'être quand même drôlement utile pour le retrouver, je pense. Si vous avez besoin de le retrouver sur une page, eh bien, vous avez l'index. Et donc, celui-ci, il est tout récent.
Il vient de sortir 2023. Donc, c'est le dépôt légal est le premier semestre 2023. Donc, celui-ci, c'est Carnet d'un jardinier amoureux du vivant. Donc, voilà. Donc, voici pour la présentation des deux carnets. Je vais essayer de vous les mettre comme ça. Oui, voilà, comme ça on les voit. Donc, de Fred Bernard aux éditions Albin Michel. Et je trouve que ce sont deux pures merveilles. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire si ça vous a plu, si vous les connaissiez ou si vous les découvrez. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là, que mon contenu vous plaît. Vous voyez, j'ouvre le contenu de la chaîne aux choses qui me touchent et que j'ai envie de vous partager. En même temps, on reste un petit peu dans la lignée des choses de la nature. Hein. Donc, voilà. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Je l'ai déjà dit, je crois. Je ne sais plus ce que j'ai dit. C'est pas grave. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.